Bonjour les amis, Yvan Guivic pour Guitar Extrême Magazine. Je suis ravi de vous retrouver ce mois-ci et d'autant plus ravi que l'on va travailler un guitariste que j'admire par-dessus tout. J'ai nommé Monsieur Jeff Beck et le titre choisi c'est Two Rivers qu'on trouve sur l'album Guitar Shop. Je vous montre ça. Vous aurez pu constater que les techniques que l'on va travailler aujourd'hui vont être particulièrement tournées vers les harmoniques et bien sûr vers le travail du vibrato. Donc pour ça, une guitare avec vibrato est bien sûr nécessaire, mais par contre vibrato flottant. Il faut que ça puisse descendre et monter. Donc en ce qui me concerne, j'ai une Fender Jeff Beck, donc je suis plutôt pas trop mal dans la thématique. Avec le vibrato réglé très très haut par rapport à la caisse, comme Jeff Beck, pour pouvoir donc descendre et monter. En sachant qu'avec un feuille de rose, on aura le même résultat, mais que la tension des ressorts est très différente par rapport à ce genre de vibrato. Donc à travailler la tension musculaire sur un Floyd par rapport à une strato. Travail essentiellement axé sur les harmoniques que l'on va créer tout le long du manche. Et en fait, ces harmoniques vont créer des phrases, par exemple... Voilà, on va reproduire des phrases avec des harmoniques artificielles. Donc c'est vraiment un travail très difficile. C'est joué au doigt. En ce qui me concerne, je travaille avec l'index, ça peut être le pouce, ça peut être sans le médiator, travailler avec des ongles. Chacun fait comme il le sent. L'idée étant de se rapprocher donc, des techniques de jeu de Jeff Beck. Je vous montre toutes les phrases une par une. Donc en fait, c'est un arpège de ré pour commencer. Et là, l'exercice, ça va être d'aller chercher donc, les notes. Quelques-unes ne sont pas jouables sans travailler au vibrato. Je pense notamment à la phrase qui fait La, Sol, Fa dièse. Le Sol, on ne peut pas le trouver ici tout de suite. Donc ça va faire... Donc là, j'ai dû aller chercher. Le Fa dièse au vibrato. Donc j'ai donc tiré un ton en arrière. Pour être sûr d'être juste, en fait, je mets quand même une tension sur le tout de la guitare. Je tire aussi sur le manche. Et ensuite, pour que le son s'arrête, il ne faut pas retomber avec la main ici, sinon ça risque de faire un... Voilà, on va la retrouver. Donc il faut déplacer la main pour arrêter le son. Arpège qui commence à la case numéro 3. On est à peu près autour de la case. Alors il faut essayer de trouver... En fait, il faut chercher suivant le... Voilà. On descend. Ensuite, on est sur la case numéro 4, case numéro 5, 7 et 12e pour le sol, à l'octave. Et ensuite, on commence pareil et on finit un peu différemment. On recommence la même phrase et ensuite, quand on va travailler ici, on va devoir travailler sur... Essayer de trouver à l'oreille. C'est très difficile parce qu'il faut... C'est l'oreille qui va nous guider en fait. On doit vraiment arriver à faire en sorte que le travail du bras corresponde à ce que l'oreille entend. Je trouve ça très difficile personnellement, donc il faut vraiment descendre. Donc ici on est sur cette case numéro 7, deuxième corde. On va devoir descendre. Et remonter. Donc je vous laisse travailler ça, cette phrase. Évidemment, quand on a la musique derrière, c'est plus facile parce que notre oreille va aussi se servir de ce qu'elle entend autour pour régler au mieux la note. Deuxième phrasée, encore des arpèges. Le premier arpège qu'on va retrouver, c'est un arpège en La avec une septième. Ça fait...
Ensuite, on va avoir une phrase ici. En ré, même genre de, d'accord, d'arpège en tout cas. Et là, en sol. Avec un petit travail. Et donc, tous ces arpèges-là, on va les rebasculer ici. Ça va être essentiellement sur 1, 2, 3, 4 harmoniques. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et les cas, ça va être 5, 4, 3. Et puis là, c'est au milieu de la case. Alors, celle-ci est difficile à choper. À peu près un tout petit peu avant le point. Donc voilà, on est à peu près là, mais il faut chercher en fait. Voilà. Et on va voir ces arpèges là. Donc. Ensuite, les mêmes intervalles, mais avec la corde au-dessus. C'est un ré. Et pour le dernier, beaucoup plus difficile, exactement la même chose. Par contre, on est encore sur une corde au-dessus, la corde de sol. Le secret, c'est aussi de ne pas hésiter à être assez vigoureux sur le... On va pas juste effleurer, on va vraiment... si c'est le pouce, si c'est un médiator, on tape fort. D'accord ? Et ici, donc, une fois qu'on l'aura trouvé, le travail de vibrato, donc pour jouer les notes sol, mi, et on laisse vibrer. Il y a aussi un petit secret derrière tout ça qui va nous aider pas mal pour le son, c'est bien sûr de la saturation, pas monstrueuse, mais il faut quand même un petit peu de gain, une énorme réverb, ça va nous aider parce que ça va faire durer les notes, et on va rajouter un délai derrière, un délai qui va pareil avec beaucoup de répétitions, ce qui ça va envelopper tout ce son-là, et ça va nous permettre d'avoir un petit peu comme des nappes de synthé. C'est très important, notamment sur le dernier plan. Ça va vraiment nous aider, parce que si on a un son tout sec, sans réverb, sans rien, déjà, c'est pas très beau. Et en plus, on va pas avoir ces notes qui durent, qui durent, qui durent. Vous l'avez vu, un travail axé, en fait, sur des arpèges que l'on transpose en harmonique. Gros travail sur le vibrato. Donc, ceux qui n'ont jamais fait de travail au vibrato, y a un gros chantier à faire. Une musicalité, bah après c'est Jeff Beck, donc il est unique au monde, donc pour commencer à ressembler vraiment à ce qu'il fait, c'est quand même pas simple. Mais allez-y, hein, faut pas hésiter, parce que ça peut vous servir plus tard pour vous-même, il y a plein de choses à prendre là-dedans. Et donc un travail d'arpège, en fait, que l'on transpose. Ce ne sont pas que des harmonies qu'on tape un petit peu au jugé, on n'est pas sur une pluie d'harmonies comme on trouve des fois, on est vraiment sur des choses très précises, et qu'il faut vraiment repérer les endroits sur le manche où sonnent les harmoniques que l'on crée nous-mêmes, parce que sinon... En fait, c'est assez compliqué d'aller au flanc, donc faut pas hésiter à passer quelques heures. D'accord ? Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.